va pas attendre la semaine prochaine, dans 15 jours, dans 3 semaines, parce qu'on peut. La paye, on la prend aujourd'hui. L'avant-garde en R1, c'est historique, c'est jamais arrivé. Via l'avant-garde en DHR, c'était historique, en DSR, c'était historique. Grâce à vous, le club, un club tout entier, va pouvoir rajouter une ligne à son histoire. On ne met pas le maillot aujourd'hui comme on met un maillot tous les jours. On le met avec ces optiques-là de rentrer dans l'histoire du club. Vous avez été bon, vous avez plus, certains ont fait une belle petite carrière, tout ça, mais c'est aujourd'hui qu'il faut être bon. C'est le début idéal, on s'attendait à ce qu'ils nous rentrent dedans, comme c'est le deuxième. Et à l'image du match précédent, on en met trois sur le peu d'occasions qu'on a. Et ça fait la différence. Il y a encore 45 minutes, vivez ces 45 minutes-là. Hein, ces 45 minutes-là, les autres matchs n'auront plus la même saveur derrière, ce sera différent. C'est fait, c'est acté ce soir et c'est vraiment top, c'est vraiment super parce que du coup on vient valider ce soir chez le deuxième, donc c'est magnifique. C'est énorme. Moi j'ai connu le club quand j'avais 4 ans, l'équipe jouait en première div ou deuxième div, quoi. Je suis arrivé en senior, on montait tout juste en PH. Et voilà, c'est ouf quoi. C'est énorme. Vingt bons joueurs, une vraie famille. Faut pas oublier aussi l'entourage, les coachs. On le voit bien aujourd'hui, on a des petits qui sont là, notre cri de guerre, on fait participer les petits du club, la famille elle est là, c'est les éducateurs, les joueurs de l'équipe première qui sont éducateurs pour les petits, donc l'esprit c'est ça, c'est la famille, et alors on a tous notre famille, et puis ben, moi en plus j'ai une famille à gérer. Nous sommes l'ADC ! Nous sommes l'ADC ! Et nous avons gagné ! Et nous avons gagné ! Allez l'ADC ! Allez l'ADC ! La joie dans le vestiaire qui est magnifique et voilà, crier tous ensemble avec les enfants du club, un petit U9 qui prend le cri de guerre, ça c'est des images magnifiques. L'année prochaine, j'espère qu'on fera la même chose. Alors invaincu, c'est peut-être beaucoup, mais être dans les deux premiers pour pouvoir éventuellement accéder à la N3, c'est l'objectif. C'est l'objectif qu'on s'est tous fixé.